ouais l'argent. Je vous sel bagaille. À mon du club. Parce que les par exemple qu'on arrive, on compte où est, une série de gens de monde qui sont dans le dernier monde, dans ce monde là, où c'est obligé, venir aimer, soit faire, ou aimer, le monde et tout là. Mais, une série de bagages n'est pas permis. Mais en attendant, en attendant, ça a mon du coup. Mais tu es pas trop l'âge, tu pas trop nier. L'un des mérites de Nemours, c'est d'avoir su s'adapter à ses musiciens. Ceux-ci, en retour, se sont facilement accommodés à leur maestro. Cette adaptation réciproque explique les différentes manières de l'orchestre. La première phase fut marquée par un choix des thèmes relatifs à l'amour, la femme, la nature et quelques faits sensationnels faisant partie de la vie courante. Louis Laens chantait le mystère de la femme et Pierre Blin implorait l'assistance de Sainte Cécile, patronne des musiciens. Pierre Blin, son homme était chanté du nez. Ouais. De même que Gary French, tout le monde avait chanté du nez. Mais Julien Paul va chanter du nez, non? Non, 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 non. C'est Julien Paul. Et Raoul Guillaume t'a dit moi une fois, il dit mon cher, Julien Paul, son chanteur, l'a chanté. Autant de tout ça le dit. On a dit, autant de tout ça le dit. Et moi, j'ai dit qu'il y a d'autres chanteurs qu'on peut attendre. Alors c'est dans ça. Les mêmes de mots, là par exemple, Julien a chanté deux saxophones de Dolly. Mais moi, mettez vent. Je dis le mot mon cher, mais non, on n'est pas capable de mettre vent comme ça. On m'a dit, on va faire chanter, on va faire trop d'efforts. On m'a dit, là mon cher, tu sois abdi, mettez vent. Je ne suis pas attendu, non. Je dis, ou pas attendu, moi. Je dis, mon cher, je ne suis pas capable de couvrir. Je dis, ça, ton abdi, on va te non. Et c'est vous qui avez fait première partie, m'a fait deuxième partie. On m'a dit, on ne peut piquer passé, on ne peut aiguë passer. Donc, ah mon cher, tu abdi là, mettez. Non, mettez vent. M'ouvrir, monsieur, mettez-vous. L'homme mettez-vous. Monsieur dit, oui, ah oui, grâce pour moi, c'est assez. Monsieur, alto-wap, mon même dame de vous. Alto-wap, dépasser, courir, courir, sinon. Avec la deuxième période, le style du compas direct devint de plus en plus incisif, car il fallait s'opposer tout d'abord au jazz des jeunes, puis à cadence rampa. La troisième et dernière phase, marquée par la présence de Wagner Lalanne, la parution des morceaux tels que Arroua Pipip, Point ne fait pas Morehead, Let Milky et le passage à l'orgue électrique, devait se caractériser par un ralentissement du rythme compas. C'était là une préfiguration du déclin de l'ensemble Nemours Jean-Baptiste. Avant de partir pour l'étranger, peu de temps après son concurrent Robert Sicot, le créateur du rythme compas direct eut le mérite de participer à un mouvement de promotion de jeunes musiciens haïtiens. Il allait même investir son argent pour parrainer les chle-chle. Oui, mais est-ce qu'on peut expliquer nous depuis que la période de gloire a commencé à décliner, depuis qu'il a senti que l'activité a commencé à baisser pour vous? Eh bien, depuis qu'il a senti l'activité a commencé à baisser pour moi, c'est les mini-jazz qui viennent occuper place là. C'est pour chercher avec l'ambassadeur. C'est là que ça a commencé à descendre. Qui s'en fait de ça? Je ne vais pas faire rien, puisque c'était un bagage tout normal. Dérésignez-moi. Avec le départ de l'orchestre, un vide fut laissé dans les habitudes de danser que le public haïtien avait d'ailleurs acquis depuis tantôt 15 ans. Les mini-jazz ne se furent pas priés pour combler ce vide en utilisant les bases rythmiques du compas direct tout en ajoutant des éléments de leur époque. Ils ont tenté leur chance et eux aussi, ils ont réussi. Le créateur du rythme compas direct a ouvert la voie à toute une génération de musiciens. Grâce à cet artiste né le 2 février 1914 et mort le 18 mai 1985, la musique est devenue un métier.
Fon Mouta, remercie monsieur nous, Jean-Baptiste, qui ton héritage comme ça pour nous. Mais une série de monde jusqu'à présent pour qu'on respecte les valeurs qu'on pas direct. Pour qu'on voulait quoi que qu'on pas direct son rite, tant qu'on n'est pas rite. Par exemple, l'autre année n'a pas joué, au moins une fois de tout, j'ai un reggae pour moi j'ai un sale sap moi. Je trouve que le monde a son monde premièrement qui manque d'évolution. Parce que nous-mêmes, t'as pour bien n'importe qui, pas de caparet, si bon mal était vivant toujours, pour dire bon mal, je ne compte pas direct pour moi. Bob Marley est tellement tapando, qui sait où le combat direct parce qu'on connaît que définitivement Bob Marley c'est reggae le jouer. Alors, pas ta supposé qu'on monde t'a demandé à demander Bob Marley pour jouer au combat direct parce que Bob Marley pas ta ou pas ta premièrement pas ta hasardo à demander Bob Marley jouer au combat direct pour parce qu'on sait reggae lui. Mais qu'on pas groupe haïtien jouer au combat direct là on trouve raison bagui normal pour demander pour jouer reggae pour. Et bien nous mêmes c'est notre optique ça que nous mêmes t'a pour combo. N'a fait possible nous pour nous porter combat direct ça plus loin que nous capables. Ou orchestre pas que connu d'utilité publique non? Non, là, là dit que orchestre là m'a conscient de reconnaître l'utilité publique puisque m'a jamais bien subvention, m'a jamais rien. Tenez nous mon si me songe bien, il était organisé marathon pour oui. Qui j'aimerais ça passer? Dans la opération. Oui. Je vais il y a au moins 2 à 3 ans. Ça qui passe, je ne vais pas parler de ça encore. Non, ça t'est fini net, puisque d'après moi-même, j'étais pas moins comme là pour me faire l'opération. Je n'ai pas de gainer pour l'opération qui était faite. Bob le moine, t'es fait tout. Madame Bob avec Herbie, t'es fait tout. Dévouement, vous pouvez voir moi. Mais le docteur t'a dit, je n'ai pas de gainer pour l'opération en fait. Et puis j'étais bon comme là. Comme là, t'es réclamé. Moi, j'étais vivant avec lui pendant 2 à 3 ans. Ne moi aussi me comprenne bien. Kounia, supposons que vous avez deux trois instruments, ou un sax dans mon ou une guitare dans mon, ou à monter son scène normalement. Oh, correctement. Correctement. Ce travail, moi, c'est lui pour me faire, pour me vivre. Donc c'est toute vie ou ça, musique, là, monter son scène, jouer musique. Jouer musique, jouer balle. Si Nemour n'a pas eu le talent d'organiser sa vie personnelle, il a eu toutefois le mérite d'organiser la vie de son orchestre et même celle de ses musiciens, voire un rythme, le compas direct. Je me rappelle son bal d'abrasio au Cap, avec septembre. Le monde dit messieurs, m'a dit nous bagaille. Mettez grand sur nous. Parce que ça accepte nos bras de jouer. On fait mon cap, ouais, ça ne faisait. On dit ne mou, pas besoin qu'il était haut. Nous faisons souper, à 9h, nous montons sur le strat dans la maison. On a ouvri musique. Alors quand on dit à ne mou, pas de chita, les mêmes c'est campé, nous jouons. Nous commençons à ouvrir musique sur mon cap dit comme ça, si c'est bête, nous y est. Il dit, on ne comprend rien, nous. Si c'est bête, fait, nous y est, c'est bête, nous y est. Bon, voilà, il m'a dit pardon. C'est vrai, mon danseur m'a dit pardon. Musique, ne m'en fait près de 10 minutes à mon morceau là. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, d'accord, vous vous rappelez, vous rappelez, pardon, vous souvenez. Pour avoir marqué l'histoire de la musique populaire haïtienne, Nemour Jean-Baptiste est mort, mais le compas qu'il crée.